bois. Tranquille, non. Tranquille, attends. Bon, du coup, on remet ça. Plus fort. De la chance, à chaque fois qu'on va voir le mapper, il fait beau. Regarde, t'as vu ça? C'est les champs, on s'en bat les couilles, tu vois, mais voilà, il fait beau. Et donc là, tu te rappelles, je t'avais dit que on allait faire un deuxième lac à l'étang soft, tu vois. Je te montrerai après un peu à combien ça souffle, mais en gros, dans la gestion, c'était un bar 5, un bar 6, tu vois. Donc si tu veux, le turbo, il se baladait, quoi. Donc là, on va refaire un stage un peu plus énervé, voir comment. Ce que ça donne en termes de puissance, qu'est-ce qu'elle peut tirer en gros la voiture à ses limites, tu vois, ces derniers retranchements, sachant que là, elle marche plutôt vraiment pas mal. Donc, ça se trouve, on va faire la modification, il n'y aura aucune différence. Ça se trouve, on va faire la modification, il n'y aura une différence de ouf. On sait pas, tu vois, on sait pas. Donc, bah là, la vidéo va être assez courte parce que je vais pas trop te. Bah ouais, du con, bah ouais, recule maintenant. Et non mais le mec il passe, il est au milieu de la ville. Et je vais pas te refilmer comme tu sais les vidéos précédentes, enfin la vidéo précédente où j'étais en train de filmer les décors et tout ça, tu vois. Bien qu'il fait extraordinairement beau, tu vois, ouais, parce que tu sais en Île-de-France c'est pas tout le temps qu'il fait beau. Là il fait beau, tu vois. Et pareil quand je vais être chez le mapper, je vais pas pouvoir trop te filmer parce que en gros. Je vais filmer le truc, à part du blabla, c'est tout ce qui va se passer. Donc au pire des cas, ce que je vais faire... Ouais, j'ai pas le stabilisateur, et comme je t'ai dit, c'est du combiné filté. Et ce que je vais faire, c'est que je te filmerai les petits tirs qu'il y a, en fait, de la caisse, tu vois. Et donc ça te fera une petite vidéo, peut-être de 4-5 minutes. Mais ça sera pour te montrer que le projet, il est toujours là, quoi. Pète une 3. Seconde 9, bon, on l'a fait vraiment à la mode gitan, tu vois. Mais le 40 à 100, et même 30, je crois que tu étais dans la vidéo. Ouais, bon, on fera pareil. 30 à 100 en 7 secondes 9 avec cette gestion là, on verra si l'autre a fait mieux. Franchement, ça a été l'endroit, comment dirais-je. Ouais, t'as vu la casquette. Ça a été l'arrivée, enfin le parcours, bon, le comment dirais-je, la route la plus mouvementée, que ce soit sur la route où on a tiré que la Civic, ou après on s'est fait un petit plaisir. Et après encore autre chose avec le... Ouais putain, et tout ça avec un beau temps. Franchement c'est top, tu vois. C'est top. Pour le coup c'est pas moi qui fais le test. Parce que j'ai dit au frérot, tu vois, tu sais quoi, fais le test toi-même. Va tester toi-même, tu me dis ton ressenti, c'est toi qui connais la bagnole et tout. Bref, donc là il va tester. La gestion elle est beaucoup plus énervée. Donc si ça casse pas, si démanchonne pas, on aura bien fait notre taf avec le turbo et tout ça, c'est bon quoi. Ok? Ça marche. Hein. Donc là, en gros les EGT, enfin les EGT tu me dis, il n'y a que 44,9 de température d'échappement quand on est à plus de 4000 tours, c'est ça? 44,9 degrés de rotation vélo par rapport au PMH, ouais. C'est la durée d'injection. Ok. Au-delà de 42, tu perds forcément un peu en fiabilité. Mais quand tu restes proportion 42-44, tu vois, il n'y a pas une grosse marge. J'en vois, ils mettent 50-55-60. C'est abusé. Là, ça fume plus qu'autre chose. Là, elle fume pas la voiture. Ouais, si elle fume pas, c'est qu'il n'y aura pas, de GT. Mais par contre, les injecteurs ils sont quasiment ouverts à fond. Et de toute façon, les ouvrir plus longtemps, le seul truc que tu fais, c'est faire des EGT. Puisque de toute façon, tu balances du fuel artificiellement parce que tu ouvres plus longtemps. Donc, forcément, il y a plus de fuel qui arrive. Ils sont ouverts à fond. Donc, Et pour sortir plus, faut mettre des nez.
D'accord. Ah ouais, parce que là, niveau de turbo, donc t'as demandé 1,8 en stable et en overboost, il a pris combien? T'as pas regardé sur. J'ai une limite d'affichage, mais je regardais le mano, en fait, il dépassait pas les. Ouais, t'as pas Il ça n'a les jamais pris limites. de barre en overboost. Ah ouais? Il n'a même pas pris un 9, moi j'ai pas vu monter un 9 en tout cas. Ah ouais? C'est pour ça que j'ai corrigé la carte pour qu'il prenne un petit overboost, qu'on voit un petit peu. Là, tu vas recorriger là. Ouais. Ouais, là je fais une petite correction, mais juste Ok. sur Ouais, cette partie-là, quoi. bah, parce qu'il a la La carte. partie fuel et tout ça, je ne touche même plus, Non, j'ai non, pris bah, un c'est. Non, non, ouais, overboost c'est à bien. fond. Ouais. T'étais au Ruptor? Ouais. Vraiment, là, t'as vu la diff en termes de. Dans les Franchement, tours. par rapport à quand on est arrivé, quand on a tiré dedans pour venir ici, et là on vient de diff. Ouais, le compteur il se couche plus vite. Franchement, il monte, ça monte. Putain, ça veut dire que la Civic on l'aurait talonné sa mère là. Là, ouais. Ouais. Là, franchement, ouais. Là on l'aurait talonné. Bon, c'est bien, ça a voulu. Mais quand même, le mec qui a fait l'échangeur, il est balèze. Moi je dis ça, je dis rien, tu vois. Bah ouais, non mais attends, regarde, l'échangeur il a pas bougé, t'as pas démanchonné. Et moi j'arrête de démanchonner 3 fois avec la Golf 3. Pouf, Ah pouf. oui, ça c'est sûr. Mais là, j'ai réussi à fiabiliser avec la Golf. En gros, s'il veut au-dessus, c'est changer les nez d'injecteur. S'il passe par exemple sur un 2260 et tout, mais bon, pour l'instant, au moins, t'as un truc. Donc là, en fait, il va faire un deuxième test. Il va faire un deuxième test parce que on a demandé 2 bars de pression de turbo. Et le turbo ne délivre entre guillemets que 1 bar 8. Mais comme tu as pu entendre le mappeur, il a dit que le turbo il était très très bien. Comment dirais-je? Bah en fait il régule bien. C'est-à-dire on lui demande 1 bar 8 et après de chuter à 1 bar 6 par exemple, un truc comme ça, il le fait. Ou il va tenir la consigne, etc. Tu vois. Bref. Donc là en fait il a juste fait en sorte à fermer la géo pour la réouvrir, pour lui faire prendre un petit pic de pression, quoi, tu vois, pour voir si on peut aller au-dessus. Bon, du coup, là, on repart. Donc, il y a vraiment une petite diff, hein, frérot? Franchement, ouais. C'est pas la même. Donc, là, en gros, plus dans les tours, encore une Ouais. fois. En fait, je pense que c'est la particularité du 16. Le 2 litres 16 soupape, même en TDI, il va marcher dans les tours, bah, parce qu'il est dans ses tours, tu vois. Ah, ça tire pas mal. Эти страницы, они не дают мне ни два, но мы окей.